général de ce qu'on appelle les caractères acteurs, de second rôle, mais à l'américaine, c'est-à-dire vraiment qui existent, qui sont là. Et voilà, et c'est, en fait, c'est venu en fait, assez bizarrement parce qu'on cherchait, il y avait beaucoup de gens à qui on regardait. Ces gens-là étaient tous pris et finalement on continue à chercher. Et Kaya a suggéré Barry parce qu'elle avait travaillé avec lui justement sur Maze Runner et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est vrai que moi j'étais dans ma tête sur quelqu'un de légèrement plus âgé et j'ai trouvé ça intéressant justement que ce soit un jeune père, que ce soit d'avoir un rapport un peu plus proche entre les deux. Et donc c'est devenu après une évidence, il a lu le scénario. C'est très intéressant parce que les acteurs viennent toujours avec évidemment une lecture du script, mais aussi une attitude par rapport au... Et Barry est quelqu'un qui a une fille du même âge, quelqu'un qui a une relation très difficile avec son père, qui à la fois qui comprenait et en même temps qui, pendant tout le film, se dit mais je dois la sauver, c'est à moi de la sauver. C'est qu'il y avait un problème justement de dynamique qui était très simple pour le personnage, qui était vraiment intéressant de voir justement les acteurs, Kaya et Barry, se confondre pendant le tournage avec Dave et Ali.